Ouais, mais bon, j'ai pas les droits, je peux pas vraiment faire ça. Dommage à Jessény. Pardon, il a sorti ton robe. Ouais, il a sorti ton robe, ouais. Il m'avait dit qu'il avait pas l'expérience dans le match-up pour le Sonic 3. Pourquoi Sonic? Parce que c'est mon main. Mais c'est pas le. Pourquoi y a pas de Sonic sur l'écran? Si, en bas à droite. Sur le physique, tu vois pas, mais t'inquiète, je vois pas. Ok, on va dire ça que PS2. Mais en tout cas, match bien mexicain en winner finale du dojo. Y a personne qui a pu les arrêter. Un match-up. Attends, c'est quoi l'avantage de match-up skill? Il est bien skill compliqué. Bah. Le match-up MKLeo Spargo, franchement. Je parlais de pourrine Europe, pas de Spargo. C'est un match-up. En tout cas, ils vont pas se taper dans une case du DT. Bah, je dirais que c'est even parce que les deux ont un avantage de fou malade sur l'autre. Donc je dirais ça. Ouais, mais bon, c'est qu'une weekly. S'il avait vraiment envie de win, oui, il aurait pris Joker, mais là il veut juste entraîner ses persos. Et c'est pareil, Spargo il aurait pris Mitra et puis il se serait pas pris la tête. Donc. C'est demain au dimanche. Ouais, passe des garde. Non, le smack après le marché, hein. Mais malheureusement, il a eu le serveur spot. Ah, le kill crowd ferme, up tilt up air. Oh, bonne DI. C'est notre super héros préféré, Spargo. Ouais, voilà pourquoi je pensais que c'était un peu even, parce que le up air de Corinne est tellement incroyable. Est tellement bien pour juggle Rome. Bien pour juggle, tout court. Ouais. Tout court, ouais. Ah si, voilà. Enfin ça tue. Je sais pas quel point c'est lourd Corinne par rapport à par exemple Roy ou Mark. Mon instinct me dirait qu'elle est un peu plus lourde. Et je sais pas, Corinne. Non, Rob. Non, par rapport à genre aux autres Fire Emblem, genre Mark et Roy. Moi c'est sœur de Léo tous les jours. C'est le GOAT, il est plus que pas mauvais. C'est la weekly de dojo, donc ouais, il n'y a que ce stream là aujourd'hui. Mais le major il commence demain la King Con. Et là pour le coup il y aura 5 streams en français, en anglais. Non, je pense pas quand même. Non, il peut pas regarder. Ah, s'il veut, hein. C'est tu toujours pas de la paire. À quelle heure demain? Bah, je t'invite à regarder le Star GG. Je pense que ça commence à 9h. Franchement je sais pas. Et bien joué à MKLeo qui prend cette game 1 avec un magnifique down air spike. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vamos Léo. Il y a un des casques qui est pour Léo. Moi je suis totalement neutre, hein, j'aime les deux. J'aime tout le monde ici, hein. J'ai même Hamza, hein. C'est ça Hamza. Le joueur de mêlée, genre. Non, pas. Non, genre le Little Mac. Ah, Nobody Hamza. Le meilleur. Il s'est pas fait 5-0 par Peanut. Par deux bagages. Ah. D'ailleurs, c'est BO5 là, c'est la winner finale. Donc. Donc là, on est en BO5 là. Bah, moi j'aime pas trop le stage non plus, mais ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est eux les top players. C'est vrai. Non, moi j'ai. Ouais, j'en sais rien. Je vais pas dire ça. En tout cas, les games sont bien serrés, c'est ça qu'on aime voir. Hein. Et MKLeo qui even la game tout de suite. Franchement, j'adore les games comme ça où c'est bien serré. C'est pareil avec Raflo avant, là c'est avec Léo.
Non, là je suis personne. Je fais une observation très objective. Ah, je sais pas si c'était une SD, j'ai pas trop vu la tête. C'était une SD, c'était une SD. Il a mis un backer et il avait son double jump, il l'a fait. Dommage. Il est. Je savais même pas il était là, Chunky Kong. Bah, t'as du ping. Moi j'ai juste vu le bot, tous les autres sont drôles. Moi j'ai vu le tweet en mode oh je suis foutu. Au final Yanis il a pas ma place. Place par contre il se laisse pas faire hein. il a perdu sa stock à 40 mais quand même. Et puis, bah, c'est pas le super héros de Smash pour rien. Et le F-Til qui va prendre la stock, ouais. Dernière stock. Voilà. Pargo qui va nous montrer peut-être ses preuves de super héros. J'ai 10 balles, s'il te plaît. J'ai 10 balles, c'est du PR1. Ah, c'est du PR1 qui joue, c'est la fin. Ouais, ça va payer un grec au gagnant là dans le truc. Ouais. Et MKLeo qui prend la game 2, 2-0 pour MKLeo. Franchement, je suis étonné des mauvaises recos qu'il fait là, Spargo. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il connaît pas Corinne ou quoi, mais. Comment ça, Spargo il ne connaît pas Corinne? Bah, justement, c'est pour ça que je suis étonné. Bah, toi, tu dis, ouais, il connaît pas trop comment bien contre Rob. Non, mais c'est même pas un problème de Rob là, parce que sa deuxième stock, il est. J'ai eu l'impression qu'il était mort alors qu'il aurait pu revenir. Genre, il avait assez de distance pour revenir. Là, il a fait un up B en reverse. Alors qu'il aurait pu grave le ledge normalement. Franchement, je sais pas. Donc, game 3 sur Battlefield. Voilà, on n'est pas allé sur PS2 là. Enfin, bah, ça, c'est une map qui est très avantageuse pour nous faire Corinne. Hein. Je pense que c'est la meilleure map. Bah, ça m'étonnerait pas en effet. Et. Spargo qui a fait une magnifique phase et qui a stoppé des super héros. Hein. Peut-être qu'il va arriver à 3-0, on sait pas. En tout cas, là on voit bien les forces de Corinne dans le match-up avec tous les frame traps qu'elle met sur Rob. Et le tout frame. Enfin, c'est... Mais Rob vraiment c'est une Enrico tricheur. Hein. Ça. Ah, pâté! C'est dur, hein. Dark a fait passer. Parfait. Toujours pas mort, c'est vraiment lourd. Il a bien passé. Après ça, attends. Ouais, le pastel de super héros partout. C'est vrai, c'est vraiment fort de prendre la neutral get up avec le kick. C'est du sud avec un donner. Hein, ouais, il avait plus de saut donc il pouvait plus revenir là. Il a Il a préféré pas essayer. Bonne tech chase de la part de Léo, mais je sais pas si ça va être fini. Non, mais quand même, il revient bien là, non? Ah bah là, il prend bien avantage de Battlefield depuis que. Ouais, y'a. Appelle Echo. Echo, ça se fout de ta gueule là dans le chat. Mais ouais, c'est la bonne ambiance ici. Tout à l'heure, l'ambiance contre Sirov, avec Sirov contre Spargo. C'était magnifique. Il fallait voir ça. Il a dit que t'as un monteur. Putain, il a bien fait de delay. Attends, sur la télé. La télé. Putain, c'est. Ah, t'as encore tout le monde à la télé. Voilà. Là, il a bien réussi à SDI up. Comme on avait dit tout à l'heure. Mais en fait, c'est surtout quand tu te le prends sur le shield.
que ça marche pas. Un comeback de Fino. Bah, dans le mois, une certaine personne qui est à gauche. Ah bah non. Spargo le spell roi. Spargo prend la game 3. Bah, tu regardes la VOD. Il a oublié de faire les mises à jour. OMG, rien sur le terrain. Mais franchement, moi qui ai expérimenté avec les des weekly au Japon, franchement le entre le dojo, le maesma ou les winners, franchement il y a pas trop de différence. Hein. Alors surtout là cette semaine, il y a tous les top parisiens qui viennent, c'est totalement coupable. Moi, je suis un gars qui a fait 0-2 au Sumapa contre Shuten et Shogun. Franchement. Franchement. En fait, le truc avec les weekly jap, c'est que il y a 30 joueurs, donc moins que ici au dojo. Mais en fait, sur les 30 joueurs, il y a qu'un joueur du top 50 monde. Ils parlent tous là-bas. Ouais, et genre, t'as Shogun qui a été, je crois, top 20 à un moment du jeu, et il était en loser 1 banal. Ouais, mais. Le round 1 de ta weekly est pas censé être top 50 monde. Mais bon, pas. Mais ce que je dis, c'est que ici ça peut arriver de tomber sur Raflou ou plutôt tour 1 aussi. Hein. Bah, pas trop du tout, mais Raflou. Ouais, parce que ce soit Dojo, BDE, on va pas faire de la pub pour le BDE ici. Ils ont tous les jeunes genre pro. Ça, c'est raciste par contre. C'est pas raciste, en fait. Ça aussi c'est raciste. Merci beaucoup. Mais bon, je trouve qu'on parle pas assez de Spargo versus Mkaleo. Bah viens, on parle du terrain ou de bastion. Vas-y sur le terrain. T'as bien le bastion et tout. J'ai pas vraiment d'avis sur l'obastion, genre c'est un stage OK plus. Mkaleo, en France ça aurait tué non. C'est dans le match. Bah s'il y avait eu juste un peu de rage, ça aurait tué, mais comme il était à zéro, ça va. Et comme c'est Rob aussi surtout. Oui, non mais je suis totalement d'accord. Mais en termes de top player pur, franchement il n'y a pas grand chose à envier. C'est surtout ça que je voulais dire. On va peut-être assister à un comeback. Ouais, peut-être un comeback à reverse 3-0 de Spargo. Je demande à voir. Mais bon. C'est pas nous qui contrôlons. Il a envie de jouer Rob, il a envie de jouer Corinne. C'est à eux de voir. Hein. Ouais, je pense qu'il y a assez de votes de ça. Ouais, genre on l'imagine dans la salle de l'esprit du temps. C'est vraiment fort, Corinne. Hein. Franchement, on dit pas assez, mais depuis récemment avec Shadik, avec Neo. T'entends des gens dire quoi, Corinne top 15. On va pas. Moi je vais rester lutte, mais franchement, c'est fort. Et je vais plus avoir de batterie. Oui, tant qu'il est sur le chat, Anais c'est le meilleur Roy de France, voilà, on va le dire. C'est vrai ou c'est vous? Oui, c'est totalement objectif. Ah, subjectif. Non, objectif. Et ouais, game 5.
Enfin, pas pour notre, pas pour mettre la personne à gauche parce qu'il a dans le double. Voilà. Donc on est sur la game 5 entre MKLeo et Spargo. On est sur Holo Bastion, là où MKLeo a choisi de retourner là. Est-ce que Spargo va reverse 3-0 ou est-ce que MKLeo va gagner? On va voir tout ça. Ah, c'est trop lourd, Rob. C'est quoi ce tapis de coup? Par contre, ce qui me fait vraiment marrer, c'est que l'Europe de MKLeo est trop fort. Par contre, il s'est absolument pas utilisé la gyro. La gyro, c'est son projectile. Ouais, c'est le BMB, c'est la toupie. Beyblade. Ouais, c'est ça. C'est Valtrinac. Il y a aucun des deux joueurs qui s'est qui maîtrise son perso, c'est trop marrant. Smash Reverse qui n'a pas fonctionné. Hein. Wow, il a essayé de read une hard dodge, je sais pas quoi, et on va de l'autre côté du terrain parce que Rob s'est craqué. C'est dans mon livre, c'est top 30. Ouais, vraiment pas. Hein. Dans mon livre, hein. C'est au moins 30 et pas top et pas 30ème. Non, mais c'est au moins top 10. Non, Rob. Non, pas que c'est genre. Bien sûr que si. Il y a beaucoup de counterplay. Ouais, bah il y a du counterplay à Steve aussi. Hein. Non, Rob c'est bien craqué, hein. Je sais pas ce que tu fumes, j'ai pas envie de savoir. Alors, c'est pour lui, c'est un gros. Après, il y a des sponsors, il y a des sponsors. Moi, je suis Zenobia, un Roy parisien. Voilà. Hey. Et vénère. Non mais moi je suis juste un sim de MKLeo, faut pas aller chercher plus loin. Moi je suis notre quelqu'un qui est là pour la paix. Et je suis un zéro. mais moi je suis juste là pour le beau jeu. Mais même si Spargo gagne, c'est pas grave. C'est déjà c'est qui. En fait déjà c'est qui. Bah le casteur problématique, si c'est celui qui pense que Rob c'est top 30, bah c'est pas Zenobia. C'est Bruce, lui qui n'arrive jamais à gagner. Ce n'est pas une personnage principale. En tout cas, last game, last stock, pas encore last hit, mais peut-être. Hein. Hey. Putain, c'est vraiment serré par contre. On a une phase de life trap pour Spargo. Et on sait à quel point il est fort dans cet aspect-là du jeu et dans tous les aspects du jeu en fait. Voilà, phase de juggle ensuite, mais bon, c'est pas encore. Ah, Bakker va tuer et le reverse 3-0 de Spargo malheureusement. Et voilà, c'était un excellent set des deux joueurs. Ça, tout le monde attendait, hein. C'est un winner final. Donc Spargo attend en grande finale tandis que MKLeo va aller en loser final. Alors vraiment pas de droit au bonheur. Mais bon, c'est Rob. Il a pris son Rob, il voulait. Tu sais pas tous les tournois que MKLeo a gagné en France. Hein. Franchement, fais des recherches. Bah dire ça, il y a des. Je suis sûr que MKLeo il a gagné plus que deux tournois que toi en France. On s'en fout. Ça me donne l'impression que c'est un check aussi. Ouais. Tiens, vas-y bien. Allez-y. Moi je suis juste venu parce qu'il y avait personne. Hein, moi je suis. Ouais. Moi j'étais tranquille posé sur mon siège. Il y a ton Chris qui va arriver. Après on. On n'en peut plus de voir Corinne. Bah là il y a Néo qui s'est installé donc vous allez voir du Corinne. On va voir un peu avec la rush. Non, okay. On va changer de caster. Merci les gars. Merci de passer. Et enjaillez bien le tournoi. Parce que nous, en tout cas, on enjaille bien.